Merci mon petit Mickaël, ça va Mickaël ? Ça va Arnaud ? Eh bien on se retrouve ici avec Mickaël Cousin à la cantine, une institution, la cantine de Château-Gontier, le fameux restaurant, je dirais peut-être le restaurant des courses, qu'il y a tellement de gens des courses qui viennent ici, n'est-ce pas Mickaël ? Effectivement, en tant que propriétaire, on connaît un petit peu de monde, effectivement, ce qui nous permet de pouvoir rencontrer pas mal de gens. Figure locale et bien sûr Mickaël, comme tout le monde dans la région, passionné par le Francis Enjolras Challenge. Pourquoi on est là ? Ben, on va vous le dire un peu plus en détail, mais parce qu'il y a une opération spéciale qui se fait avec la cantine à partir de début avril, le 8 avril, tiens, on donne la date, en perspective de la course bien sûr du 9 mai, qu'est-ce qui va se passer ici? Chaque personne qui vient manger ici, à quoi il a droit? Eh ben, on va profiter de leur offrir une entrée gratuite pour chaque repas pris du 8 avril jusqu'à la course, ben, évidemment pour promouvoir l'événement et attirer le plus de monde possible pour cette grande course. Les courses, c'est très important dans la région, on est dans le Haut-Anjou, hein. Il y a Cran, il y a le Lyon-Angers, là on est tous et tout à côté ici. Ça représente quoi pour toi et pour la région les courses en général? Bah déjà avant tout les courses c'est ma passion, donc je suis à la fois éleveur, à la fois propriétaire de chevaux, les hippodromes c'est mon terrain de jeu. Donc promouvoir et donner du temps et de l'énergie pour développer les courses, bah, c'est très important. Et si ça peut en lier et être en lien pardon, avec notre business, c'est encore mieux. Et puis, vous savez qu'avec mon petit Mickaël, on a une histoire. Déjà, on se connaît depuis tout petit. Tout petit. On était moins grand et surtout moins gros. Mais Mickaël, cousin, n'est pas mon cousin, mais c'est le cousin de mon cousin. Bon, alors ça, c'est des histoires de famille que je vous raconterai un petit peu plus tard. Mais surtout, Mickaël, tu as une histoire avec Francis. Raconte. Eh bien, disons que bah, je crois que j'étais à la création avec toi. Hein, exactement. Qu'on a appuyé tous les deux le premier jour sur le bouton. Le 8 décembre 2008, Mickaël était là. Pour les ventes à Deauville, exactement, exactement. Donc, Francir fait partie de mes gènes. Voilà, effectivement, vous ne le savez peut-être pas, mais Mickaël a travaillé à Francir. Elle a fait partie de la création de Francir pendant 3-4 ans avant que tu ouvres la cantine. Exactement, exactement. 4 ans et demi, je crois, un truc comme ça. Et tu passais une bonne partie de tes nuits, la moitié avec ta femme, la moitié avec... Avec moi, quoi. Tu faisais quoi, rappel au public, ce que tu faisais? Eh ben, enrichissement de la base de données, puisque quand même on partait avec pas grand-chose à la base. Hein. Ton idée était très bonne, j'y croyais beaucoup, c'est pour ça que je me suis associé avec toi. Et il y avait beaucoup de travail d'enrichissement de base de données. Effectivement, Mickaël a été vraiment un pilier du départ, de la création à la base de Francir, qui aujourd'hui, bah, 15 ans plus tard, vit et est sponsor. On en est très fiers du Francir Enjolras Challenge. Et avec Mickaël, on est toujours ensemble. On a quelques petits chevaux ensemble d'ailleurs. Exactement. Exactement. Et tu seras là, bien sûr, pour l'Enjolois. Eh oui, bien sûr, on ne peut pas rater un événement pareil. Venez donc à la cantine, à partir du 8 avril, venez donc à la cantine. On rappelle, un repas acheté égale... une entrée gratuite. Pour tous les socioprofessionnels, même si vous avez une carte d'entrée, évidemment, ils peuvent le distribuer à tout le monde. Évidemment, évidemment. Ce sera la grande fête du Lion d'Angers. À ne pas rater. Et bien sûr, il n'y a pas de limite. Si vous venez manger tous les jours à la cantine, ben, tous les jours, vous aurez une nouvelle entrée. Exactement. Profitez-en. Merci, Mickaël. Merci. On va manger? Exactement. C'est parti.